que, d'après les informations, trop de glissade, mauvais état de pelouse. Apparemment, la pelouse n'a pas été remplacée. Ou quel match qui s'est joué là? Je ne sais pas quoi. Bon, mauvais état de pelouse. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire cherche à changer la pelouse. Le stade de Yamoussoukro, un très mauvais stade. Je dis bien un très mauvais stade. Très mauvais stade. Si le stade était bon, la pelouse était bonne, vous pensez que le Cameroun de Samuel Eto'o allait perdre? Vous pensez que le Cameroun de Samuel Eto'o allait perdre? Non, quand même, entre vous et moi. La pelouse n'était pas bonne. Les Sénégalais sont venus avec les grands maîtres de gris-gris. Les Sénégalais sont venus avec les grands maîtres de gris-gris. Le stade même n'est pas bon. Tout ça à cause de qui? Ou contre qui? Ça contre le Cameroun. Riche. Mauvaise pelouse. Mauvais état de pelouse. Mauvais état de stade. Les joueurs glissaient. Les joueurs tombaient. Ils n'arrivaient pas à courir comme il fallait. Inacceptable. La boue partout. Il y a, heureusement, voilà, il y avait la boue. Il y avait la boue. Il glissait, il glissait, il glissait, il glissait, il glissait, il glissait. Les gars tombaient seulement comme ça. Mauvais état de terrain. Et ça, c'est quoi ça? Ils étaient au Cameroun. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a fait contre l'Algérie? Voilà. Donc la pelouse était bonne. Un accueil chaleureux. Une ambiance conviviale. Un hôtel de luxe, de classe. Regardez. La pelouse n'est pas bien traitée. Pas bien traitée. C'est à cause de ça que le Cameroun a perdu. Vous pensez que le Cameroun, en vrai dire, le Cameroun peut perdre quel match en face au Sénégal? Le Cameroun ne peut pas perdre un match. Quand on parle du Cameroun, quand on parle du match Cameroun-Sénégal, il n'y a pas match. Mais attendez, il y a combien de... Le Sénégal a combien d'étoiles? Le Sénégal a combien d'étoiles comme ça? Combien d'étoiles? Une étoile, non? Cameroun a 5 étoiles. 5. 5 ou je te relâche. 5 ou je te relâche. Contre une seule. Contre une seule. Quelle honte. Quelle honte pour les Sénégalais. Quelle honte pour les Sénégalais. N'importe quoi, ils sont même contents. Vous avez eu la chance qu'on avait un pas de joueurs. Hein. Nos joueurs sont blessés. Aboubakar. Vincent Aboubakar n'était pas là. Vincent, est-ce que qui a vu Vincent Aboubakar? Qui a vu Vincent Aboubakar? Qui a vu? Qui l'a vu? Personne. Choupo-Moting. Qui a vu Choupo-Moting? Les Sénégalais ont eu la chance. Les Sénégalais ont eu la chance. C'est une chance qui ne reviendra plus jamais deux fois. Non. Les Sénégalais ont eu la chance. Mais à vrai dire, la famille, écoutez, blague à part. Blague à part. S'il faut rejouer ce match, vous pensez que le Sénégal va gagner le Cameroun? S'il faut vraiment rejouer ce match, vous pensez que le Sénégal là, peut gagner le Cameroun? Le Sénégal n'a que deux joueurs. Koulibaly
Sadio Mané. Si on les retire, les deux joueurs là, comme Choupo-Moting n'était pas aussi, Vincent Aboubakar aussi, ils vont devenir quoi? Mais je n'arrive pas à y croire quand même. Non. Tout ça à cause de Makoso. À chaque fois, Makoso porte le maillot des Lions indomptables du Cameroun. C'est la poisse. À chaque fois, Makoso porte le maillot des Lions indomptables du Cameroun. C'est la poisse, je vous dis. La poisse. La poisse. La preuve en est, il a porté le maillot des éléphants hier. Est-ce que les éléphants ont gagné? Est-ce qu'ils ont gagné? Makoso a prié pour l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Makoso s'est oint son huile de palmiste, soi-disant huile d'option. Il prie pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il y aura une victoire pour la Côte d'Ivoire. On a été où? Le même connerie, il a amené aujourd'hui. Porte le maillot du Cameroun. Il dit, je m'appelle Atakana, je suis Camerounais. Un bipolaire comme ça, là, dit-on. C'est pas la deux têtes. À double tranchant. Le bon démagogue. Comment se fait-il que hier il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire, les éléphants ont perdu. Il change de camp. Il vient, il porte le maillot des Lions indomptables. Les Lions indomptables aussi ont perdu. Tu vas me dire que c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on doit croire. Le Sénégal, c'est quoi même devant le Cameroun? Quand on parle de football, s'il faut rejouer ce match, entre vous et moi, qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? Le Sénégal a gagné au Cameroun. Non, il y a un souci. La pelouse, vous avez vu le match, non? La pelouse n'était pas bonne, non? Vous avez vu, non? La pelouse de Yamoussoukro n'était pas bonne. L'état de la pelouse n'était pas bon. Voilà ce match. Mais les Ivoiriens, là, quand même, les Sénégalais, là, ils ont fait un petit effort. Hein. Les Sénégalais. On peut même pas dresser comme ça, on dit match à rejouer. On reste même comme ça, on dit non, match Cameroun-Sénégal à rejouer. Ouais. La famille, excusez-moi. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée. Disons-nous la vérité, on va se dire quelle vérité. Les gens qui veulent monter sur le panel, on va se dire quoi? Vous allez venir dire quoi? Moquer du Cameroun, vous allez venir dire quoi? Vous voulez venir dire quoi là? Là, vous pensez que c'est l'heure de faire la paix? Non, Afi, je ne reste pas. Félicitations à toi, tu es Sénégalais, c'est bien.